Décidé de retourner à Fort Lapin pour cette troisième nuit parce que nous étions surtout frustrés des résultats de la seconde et nous pensons que la maison n'a pas encore révélé tous ses secrets. Nous revoilà à Fort Lapin, la troisième nuit. Aujourd'hui on est encore avec Cédric, Nico et derrière la caméra, Jules. Bon, petit plan, bien sympathique. Ce soir on va essayer d'en finir. On a pris encore une fois tous nos équipements. On a déjà mis en place, pendant qu'on papotait en arrivant, on a fait le tour des lieux comme d'habitude. On a mis un peu en place les équipements. Donc ça n'a encore rien donné. Mais bon, à mon avis, quelque chose qui me dit que ce soir ça devrait aller. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Parce que moi, personnellement, au niveau de l'atmosphère, on est chargé. Ouais. Hein, Seth, toi qui es assez réceptif. Alors là, pour l'instant, on sent une atmosphère super chargée. Et on est venu aussi ici pour faire cette troisième nuit à Fort-Lapin. C'est parce que, on va dire, quelqu'un qui nous a vendu du rêve, parce qu'on nous a dit qu'il y avait des souterrains qui iraient dans les sous-sols de la ville. Mais malheureusement, on a fait le tour dans la végétation, on avait pris un pied de biche exprès pour dégager les entrées et tout ça, et on ne l'a pas trouvé. Maintenant, on a aussi eu des nouvelles informations sur le lieu, et à première vue, la petite fille qui s'appelle Amandine, ça serait un nom en A quelque chose, mais je l'ai oublié, je suis désolé. Et au final, elle ne serait pas morte noyée dans la cave, mais elle se serait d'abord fait tuer par son grand-père, tout en haut, là, au grenier. On ira voir après. Et après, le grand-père l'aurait mis à la cave pour faire croire à une mort accidentelle. Donc c'est ce qu'on va voir, essayer de voir et essayer de solliciter ce soir pour avoir des réponses. Et on finira avec cette maison de Fort Lapin qui doit être rasée normalement au mois de juin. Donc là, on est au mois de mai, c'est ça. Donc là, il n'y a vraiment plus de temps à perdre. Ça, on va tout donner. Pour ça, on a les équipements adéquate. Donc là on a la Spirit Box que vous connaissez, qui a donné les résultats comme vous avez pu le voir le long de l'épisode, assez cohérent. Donc là cette fois-ci pour la nuit 3, on a changé d'enceinte. On a vraiment pris quelque chose de plus gros où on va pouvoir peut-être distinguer plus au moment au direct ce que ça dit tout simplement. Et on peut bien varier le volume tout simplement pour entendre confortablement ce qu'il y a. Une Spirit Box est une radio modifiée. La note a été construite avec une carte Arduino et la théorie veut que par les ondes FM, les entités pourraient communiquer avec nous. Nico, dans sa main, il y a le K2. Cédric, il y a le Smart Sensor. Et puis, au fur et à mesure, on prendra un peu notre matériel qu'on a habituellement. Donc là, pour commencer, on va s'attarder 5 minutes en bas. Parce que sur les 3 nuits, sur les 2 premières, on a vraiment pêcher en haut comme des fous furieux. Donc là on va essayer un petit peu d'interagir en bas et puis après on foutra le paquet en haut et on va essayer d'avoir vraiment ce qu'on veut, vraiment ce qu'on sent qui peut se produire ici, et on verra, on découvrira au fur et à mesure. Donc maintenant on va y aller, je vous dis à tout de suite, let's go. Donc les amis, là ça y est, on est parti. Bon, comme vous voyez, moi j'ai pas bougé. Mais les autres, ils ont tous bougé autour de moi parce que Cédric a commencé à sentir un courant d'air. Puis c'est vrai, à un moment, moi aussi, vraiment violemment. Donc là, on est en train un peu de regarder parce que on va dire que ça a baissé au moins de 10 degrés d'un coup. 10 degrés. Donc ça, là, ce que je prends, c'est la température.
mais la température des surfaces. Ah, c'est choquant là, putain, j'ai un courant d'air qui est... Excusez-moi pour mon vocabulaire. Oh. Ici, on a la température ambiante. Ah, mais regarde, quand je dis ça, petite fluctuation à 0,2. 0,2, ouais. Tranquillement. Donne-le-moi un coup. C'est pas très, très probant. 15,8, 15,6. Par contre, c'est normal, c'était à 6, moi. En milligos. En milligos, non. Il était à 6 en droite. Vas-y, essaie d'interagir. Regarde. 0,3, 0,4, 0,5. Wouah, c'est choquant par ici. Répétez un petit, s'il vous plaît. Oui. Allez, 0,2. Vous pouvez venir toucher mon appareil que j'ai dans ma main. Un peu plus franchement, s'il vous plaît. Au-dessus de jus, il y a une orgue. 0,6. Je me demande si c'est la petite fille. C'est toi, petite fille, je vais mettre à ta hauteur. Tu peux venir toucher si tu veux, s'il te plaît. 1,6, vous avez vu? Ouais. Oui, on a eu un déclenchement de pod. Pod là. Et moi? C'est toi? Non, on a eu un déclenchement de pod ici. 0,6. T'as entendu? Vous pouvez faire déclencher un de nos appareils, s'il vous plaît? 1,2. On est à 0,8, 0,7 constant. Ah, 0, bon. Là, on a Nicolas qui fait des photos, donc on aura peut-être des flashs sur la vidéo. Pas. Petite fille, c'est toi? Est-ce que tu peux venir toucher l'un des appareils qui est ici par terre, s'il te plaît? On a 0,5, 0,6 constant. Il est où, Nico? À l'étage. Ouais, j'ai entendu quelque chose à l'étage. Ça marche à l'étage. Ouais, quelque chose qui est tombé, on dirait. Il y a quelqu'un à l'étage? 0,8. Est-ce que vous pouvez faire un bruit à l'étage, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux venir toucher l'un des appareils qui est ici par terre, s'il te plaît? On a 0,5, 0,6 constant. Il est où, Nico? À l'étage. Ouais, j'ai entendu quelque chose à l'étage. Ça marche à l'étage. Ouais, quelque chose qui est tombé, on dirait. Il y a quelqu'un à l'étage? 0,8. Est-ce que vous pouvez faire un bruit à l'étage, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux venir toucher l'un des appareils qui est ici par terre, s'il te plaît? On a 0,5, 0,6 constant. Il est où, Nico? À l'étage. Ouais, j'ai entendu quelque chose à l'étage. Ça marche à l'étage. Ouais, quelque chose qui est tombé, on dirait. Il y a quelqu'un à l'étage? 0,8. Est-ce que vous pouvez faire un bruit à l'étage, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux venir toucher l'un des appareils qui est ici par terre, s'il te plaît? On a 0,5, 0,6 constant. Il est où, Nico? À l'étage. Ouais, j'ai entendu quelque chose à l'étage. Ça marche à l'étage. Ouais, quelque chose qui est tombé, on dirait. Il y a quelqu'un à l'étage? 0,8. Est-ce que vous pouvez faire un bruit à l'étage, s'il vous plaît? C'est choquant. Vraiment net. Pod. Wow. Vous avez entendu? Ça fait une dehors, je pense. Ça, je pense que c'est une dehors. Par contre, le craquement, ça venait de la première ou deuxième chambre. Non, on dit comme une bille qui tombait. C'est ouais. Tank, tank, tank. Ouais. Ouais, c'était flagrant. Ouais. J'espère que vous l'avez entendu d'ailleurs. C'est un klaxon dehors.
qui passe devant À pied ? Ouais. Je vais te faire ralentir. Bon, on va couper un peu la lumière, désolé. Donc là, on vient d'entendre du brûlétage, mais... Pod. Mais connaissant les entités qu'il y a à l'étage et les réponses qu'on a eues, on va quand même rester un petit peu en bas parce qu'on essaie peut-être de nous attirer en haut pour justement qu'on loupe quelque chose en bas. Ouais. Donc là, Godet, je t'essaie d'interagir. Je fais 06. Là, on a des tic-tic sur les pods. 06. Donc on était en train d'essayer de solliciter la petite fille. Un 4. Amandine, on va attraper Amandine, je suis désolé. Hein. Si tu veux, là, on a des caméras. Et tu peux parler. Vas-y, excuse-moi. À côté des caméras pour nous dire ton vrai prénom, petite fille. Parce qu'à première vue, ça commencerait par un A, mais ça serait pas Amandine. Donc si c'est pas ton prénom aussi, ce que tu peux faire, c'est toucher les petites boîtes qui sont par terre, là. Tu sais le faire, tu l'as déjà fait. Merci. Merci. Est-ce que tu peux recommencer ? Essaye de le toucher, ne t'en fais pas, ça va pas te faire de mal. Te rapprocher, en fait, on sait pas si ça fait pas de mal, ouais, nous ça on nous sait fait pas, pas de mal. Autant pour, moi. Ou le deuxième, hein. Si tu préfères le deuxième, il fait des lumières bleues. Là, je vais te le monter. Tu vas tirer là. Tu vas tirer ? Ouais. Hein ? Ouais, si. C'est marrant parce que j'ai eu la même chose la fois dernière. À 5. Justement, tu regardes, toi, comme ça. Quand il y a un piqué à 5. Ouais. 7. Comme ça, on aurait fait ça, tu vois. On tire derrière comme ça. Ouais, j'ai eu la même chose la fois dernière. Et à peu près... Là... Non, j'étais là. Je regarde la température, parce que j'ai vraiment un courant d'air qui me prend, là, c'est vrai. Là, les bips que vous entendez, c'est mon thermomètre, hein. Alors... Non, on augmente en température alors que je sens du froid, en fait. 0,3. 17, 1. 17, 16... Ça m'attire par là-bas tout à l'heure. On peut aller dans la pièce. On te suit, vas-y. Et si vous voulez que je vienne ou pas ? 0,5, comme typique. Je vais mettre en route un appareil, vous allez pouvoir parler dedans. Je vais vous poser quelques questions, merci de me répondre s'il vous plaît. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un ? C'est l'appareil. Hein. Il faut qu'elle en sente. Ouais. Est-ce que vous pouvez dire un mot dans l'appareil, s'il vous plaît ? 02. Est-ce que c'est vous qui avez fait le bruit à l'étage ? On voudrait communiquer avec la petite fille, si elle est toujours là. Est-ce que tu peux venir parler, s'il te plaît ? 1, 1, 2, je jure. On voudrait entendre ta voix. Focus là-bas. Je vais poser l'appareil à terre, vous pouvez interagir. Tu vois, ça nous attire. Tu dors. Je suis au-dessus de la plaque. Ouais, mais il y a un truc que j'aime pas, c'est que c'est l'endroit de la maison. Tu vois, ça nous attire en fait. Ouais. Dès qu'on voit quelque part, ça nous attire autre part.
on voit là-bas, ça nous attire ici. On va ici, bling bling en haut. La maison, tu vois, ça nous attire en fait. Ouais. Dès qu'on voit quelque part, ça nous attire autre part. On voit là-bas, ça nous attire ici. On va ici, bling bling en haut. La maison, Nous attire en fait. Ouais. Dès qu'on voit quelque part, ça nous attire autre part. On voit là-bas, ça nous attire ici. On va ici, bling bling en haut. Est-ce que vous pouvez faire un gros bruit si vous voulez qu'on monte ? Ou activer un pod. Une boîte là par terre. C'est qui a le K2? C'est moi. On va l'allumer pour voir si on a les résultats en même temps que, ouais, c'est ça avec que le smart. Je vais vous allumer la Spirit Box. N'hésitez pas. Il y a quelqu'un avec nous ? C'est prêt. Tout prêt, non ? Ouh. Ici ? C'est les mêmes voix que d'habitude. Je vais mettre un peu plus de sang. Pod. Écartez-vous du pod, s'il vous plaît. Merci. Merci. Vous pouvez vous rapprocher maintenant ? C'est normal ? C'est normal ? D'accord. C'est normal que ça fait du bruit quand vous approchez, vous inquiétez pas. Oui. Ça dit oui en même temps. Oui, ça dit oui. Est-ce qu'on peut entretenir un dialogue avec le pod, s'il vous plaît ? Montrer que quoi ? Est-ce que vous pouvez le retoucher, s'il vous plaît ? Merci. Alors, je vais couper la radio. Est-ce que vous pouvez reculer, s'il vous plaît ? Merci. Merci. Super. Ah, super. C'est très bien. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup. Enregistrant numérique. Donc là, je suis en train d'enregistrer, on peut avoir des réponses en direct. Une session de PVE, ça se fait avec un enregistreur numérique. À première vue, les entités pourraient laisser un message sur la bande alors que c'est inaudible à l'oreille. Amandine, est-ce que tu es avec nous, petite fille ou entité, esprit, fantôme, énergie ? Quel est le nom de la personne qui est avec nous ?
On a des fluctuations à 0,4 sur... Est-ce que vous êtes une personne bonne ou une personne mauvaise ? Alors là, on entend un petit peu claquer partout, mais on ne sait pas si c'est à l'étage, des portes de voiture dehors ou autre chose. Le smart n'arrête pas de... Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me balader au rez-de-chaussée. Et je vais prendre des photos. Depuis tout à l'heure, je prends des photos. Il y a quelques orbes. Bon, après, c'est peut-être poussière ou quoi, mais bizarrement, quand je prends deux fois la même photo l'une sur l'autre, il n'y a plus rien. On va monter. Donc à savoir que d'habitude quand on monte à l'étage, c'est hors caméra et Cédric est toujours attaqué. Donc envie de vomir, migraine, t'étais livide aussi à l'air quoi. Donc ce que Cédric fait, c'est que d'habitude il y a une petite fiole d'eau bénite, il s'en asperge et après autour de toi c'est calme. Donc là on va voir. D'accord, le problème c'est qu'il n'y a pas de... j'ai pas de fiole. Là, tu as une fluctuation. J'ai juste ma croix. Allez, on va voir ça. Déstabilisé. 0001, 02, 03. Je suis déstabilisé. J'ai la tête qui tourne et envie de partir par là. Chaque fois ici. 22. En calme, hein. J'ai l'impression que la maison est penchée comme ça. Allez, à la gauche.
Ouais. La vie est... C'est super chargé. T'as combien au... 0-0. Depuis tard, je me suis un peu tu. Quand je faisais ça en son interaction avec vous. Mais... tous les endroits de la maison, j'ai des fluctuations. Vraiment partout, partout, partout. J'arrive ici. Ouais. J'arrive ici. Ouais. J'arrive ici. Ouais. J'arrive ici. Ouais. Rien, rien, rien. Rien, rien, rien. Rien, rien, rien. C'est ici qu'il y a... Ouais, mais... on n'a jamais su déchiffrer les symboles. Ouais, ça. Est-ce que c'est pas un... Wow. Est-ce qu'il n'y a pas eu une cérémonie de protection ou quelque chose? Moi, j'ai une barre au fond. On va faire ce qui marche le mieux. Ici, la Spirit Box. C'est parti. Alors on est venu ici pour avoir des réponses ce soir, parce que vous les connaissez. Je sais pas. Apaisé. La prison, moi j'ai compris, vous êtes à la prison. Ouais. Qui a tué la petite fille? Il est où? Est-ce qu'on peut avoir le nom de la personne qui a tué la petite fille? Est-ce que cette entité est toujours ici? Est-ce que vous avez un message à nous faire passer? Est-ce qu'il y a quelque chose au grenier? Il y a des collègues à nous? Stéphane, en l'occurrence, il a réussi à filmer une masse noire. C'est quoi cette masse noire dans le grenier? Est-ce qu'il y a des esprits, des fantômes, des énergies ce soir avec nous? Alors là, c'est séance grenier, les amis. Vous pouvez voir quoi, c'est spécial, on va dire. Est-ce
Quelqu'un avec moi ici, là. Pareil qu'il y a une masse sombre. Est-ce que vous pouvez vous faire voir ? Alors là, comme vous pouvez voir, c'est super chaud parce qu'on voit carrément à travers. Ici quoi, je voulais, j'étais chaud pour marcher ici sur le plancher, mais quand je vois au final le, on va dire comment c'est assez pourri regardez, donc au final je suis plus du tout motivé pour aller marcher dedans. Et à première vue, comme je disais tout à l'heure là, il y a nos collègues de Esprit Entité qui ont filmé ici une masse noire. Montrez-vous. Esprit fantôme, entité, énergie. Montrez-vous, venez carrément parler dans les micros de ma caméra. Alors on entend un petit peu Nico et Godet hein, qui sont redescendus. Faites un bruit là, entité esprit fantôme. Allez-y. Faites-nous peur. Pas très fluctuant hein, pour l'instant hein. J'ai aussi un K2 ici dans ma poche, il bouge pas du tout, donc je pense qu'on va redescendre. Smart sensor qui s'est déclenché au rouge. Bon, on va redescendre. Qu'est-ce que t'en penses ? Faire plus. Pas grand-chose. L'image.
Ah, tu veux faire une séance de spirit box? Je l'ai mis une fois. Elle est en route et puis qu'elle... Ah, c'est bon. Tu la fais où? Ici. Bon, normalement, tu l'as fait. Bonsoir, y a-t-il quelqu'un avec nous? Casse-toi. On revient du grenier, y'avait quelqu'un avec nous? Vous avez dit qu'il y avait une identité là dans le grenier. Elle peut se manifester? Vous savez que cet endroit nous tient à cœur particulièrement. Et on aimerait vraiment rentrer en contact avec vous. Petite fille, es-tu là? Ici, il y a quelqu'un avec nous? Est-ce qu'il y a des entités qui sont soi-disant dans la prison, enfermées dans cette pièce? Ça a répété prison. Oui, ça a répété prison. Ce serait la prison ici. Est-ce que votre présence vous importune? Est-ce qu'on doit descendre? On avait des résultats, on voit maintenant. J'espère que ça n'avait pas très confiance. Vous avez un message pour moi, particulièrement? Avez-vous un message pour Cédric ou Godéric ou Nico? D'habitude, on aura moins que ça. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Je pense qu'on va avoir l'argent de Godé et Nico.